Arnaud Montebourg est donc à Marseille aujourd'hui. Une visite attendue et très médiatique pour le candidat à la primaire socialiste. Il a commencé en s'adressant aux Marseillais sur la place du général de Gaulle. Arnaud Montebourg, c'est, je vous le rappelle, l'auteur d'un rapport incendiaire sur la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône. Il est d'ailleurs venu à Marseille pour parler corruption. Et c'est Jean-Noël Guérini qui a été une nouvelle fois ciblé par les attaques du député de Saône-et-Loire. On l'écoute au micro de Fanny Fontan. Je ne mène pas de polémique personnelle. Je veux changer un système. C'est beaucoup plus difficile. Je n'ai pas d'inimitié personnelle. Je veux changer un système qui aujourd'hui a conduit l'un des dirigeants du Parti Socialiste, M. Guérini, que vous connaissez, à être poursuivi, fait unique dans les annales de la République, pour association de malfaiteurs. Cela ternit la réputation du socialisme. Et les questions de corruption ne sont pas des questions taboues, ce sont des réalités qui aujourd'hui nous sautent au visage. Donc il faut affronter ces problèmes, il ne faut pas les mettre sous le tapis et il faut les traiter pour s'en débarrasser.